Som chen koi. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The car is L'audience now in session. Est ouverte. Today the chamber aujourd'hui, continues to hear the la chambre testimony entendra of expert la suite Henri et la Locard fin de la déposition and begins hearing de l'expert Henri Locard a witness pour ensuite TCW entendre 976 de TCW 976 dans le cadre du segment du procès ayant trait au purge interne. Avant de poursuivre la déposition the parties de l'expert, and the public that for que les parties et le public sachent qu'aujourd'hui et durant les journées suivantes, le président de la Chambre, le juge Nilnon, sera absent pour des raisons personnelles de nature urgente. Il ne peut donc être présent. Après délibération, moi-même, Yasokon, j'assume la présidence and the subsequent days, de cette audience et des and suivantes, Judge Tumani, tandis que le juge Tumani, juge suppléant cambodgien, my me remplacera jusqu'au retour du juge Nilnon. Back to the court. And that is pursuant to rule et ce, en application of the de la règle 79.5 du règlement intérieur. Je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et autres personnes à l'audience. Greffier, Mr. President, for today's greffe, proceedings. All parties toutes les parties sont présentes, except beyond the sauf Maître Pik Ang, avocat principal reasons. Cambodgien pour les parties civiles, Mr. absent pour raisons personnelles. Nunchia est dans la cellule temporaire du sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. L'expert qui doit achever sa déposition aujourd'hui, Mr. Henri Locard, est dans le prétoire. And the upcoming witness témoin that is to TCW 976 confirms that to his best knowledge he has no relationship aucun by lien blood de or by law par le sang to ou par any other accused avec aucun des accusés, there is no G and Q some form or to any other civil parties admitted in this case. Des parties civiles reconnues comme telle devant la Chambre. The witness took an oath before the Iron Cup statue this morning. A prêté serment ce matin devant la statue à la barre de fer. And he has counsel Ken Sambo. Il sera accompagné de Maître Sambo. President, son avocat. Thank you, Ms. Sakobuti. Le président, je vous remercie. The chamber now decides on a request la by Nunchi. The chamber has received a waiver. La Chambre a reçu un document from Nunchi. Dated 2nd August 2016, dans ce document, due to his health, that is headache, back pain, he cannot sit or concentrate en raison for long, de son état de santé, and in order to effectively participate in tête, hearings, he requests to have his rights to be present at the 2nd August 2016 hearing. Il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire en ce jour. He advises that his counsel advised him about the consequences of this waiver, that in no way it can be construed as a waiver of his rights to be tried fairly or to challenge evidence presented to or admitted by this court at any time during this trial. Having seen the medical report of Nunchi by the duty doctor for the accused at ECCC, dated 2nd August 2016, which notes that Nunchi has a chronic back pain de maux de dos chronique, and it becomes severe when he sits for long, and recommends that the chamber shall grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Pour qu'il puisse suivre les débats based depuis on the above information, par ces motifs, en application de la règle 81.5 du règlement intérieur des CTC,
The chamber grants Nautier his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nautier can follow that applies for the whole day. Et ce, pour toute cette journée. The chamber now hands the floor to the defense team for Kius and Paul to continue putting further questions to expert Henri Locard. You may proceed, je vous en prie, maître. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Bonjour, good morning bonjour to bonjour, all of you. Locard. Good morning, Mr. Locard. Nous allons entamer la dernière demi-heure qui m'est accordée pour vous interroger et je vais vous demander évidemment de faire le maximum pour répondre le plus précisément aux questions que vous posez. Avant de revenir à votre ouvrage, pourquoi les Khmer Rouges, une précision. One point of clarification, however, hier, nous yesterday, avons évoqué Ong Tong-un et vous avez parlé de la description qu'il fait spoke about the description he made of a training session that was given by Khieu Sampan. Ma question est la suivante. So my question is the following. Are you sure that it is he who attended this training session? Je vous remercie, maître, pour cette question. Je peux d'autant mieux vous répondre que j'ai très mal dormi cette nuit. I didn't sleep very well this night, so it might be difficult for me to answer you because yesterday la torture froide, you practiced cold torture on me. Sais donc and ce now que I know what the cold torture means. Depuis entre 1h et 4h30, je n'ai pas pu dormir, donc j'ai I wasn't able to sleep between 1 and 4 o'clock in the morning. Et j'ai trouvé à la page 61-62 Rouge, in, I believe in exactement the Khmer Rouge, qu'il a assisté à des the séminaires fact that he did attend seminars présidés par that were chaired by Khieu Sampan. L'autre référence, c'est, comme je le disais, as I said, le livre de... Philip Short's book. La référence... And the reference 317, plus détaillé, pages 316, 317, which shows a testimony by Long Visalo. Long Visalo parle and Long Visalo de speaks here rééducation about re-education de la part de Khieu Sampan qui a duré un mois. Given by Khieu Sampan, en gros, a re-education session that lasted 1 month. Que, and basically the point alors of ça, this c'est la page 61. This is what I saw on page 61. Nous devions faire don de sa personne. Therefore, we had to ça rappelle évidemment la déclaration du maréchal Pétain qui faisait don de sa personne à la France. Là, il s'agissait, quand on revenait de l'étranger, faire don de sa personne à l'Anka. Je pense que si vous continuez la torture froide, so if you want to continue au bout de trois jours, peut-être je ferai don de ma personne à l'Anka. Well. Monsieur Locard, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans des discussions particulières avec des témoins sur d'avoir des discussions personnelles. Mais je tiens solennellement à ce que la Chambre puisse rappeler à Monsieur le témoin que dans le cadre des questions que je lui pose, je peux éventuellement pointer des contradictions. Je ne fais que mon travail d'avocat. I am only doing my job as a counsel when I point to contradictions. Clairement démontré à l'entrée dans cette salle d'audience, il faisait peu de cas du travail de la défense en saluant tout le monde, sauf le banc de la défense, c'est son droit le plus strict, mais de m'accuser de torture, alors que je ne fais que mon travail, je trouve que c'est un petit peu en dehors des lignes. Donc je peux vous assurer, M. Locard, que je vous pose mes questions comme je les ai posées à l'intégralité des témoins que j'interroge, en pointant quand je trouve des contradictions, pointing to contradictions when I find them, and therefore asking clarification, but in no case I am torturing you. This is simply a cross-examination in the context of a trial. I don't know if this was a joke or something, or if there was a deeper meaning to what you said, but what I'd like to say is that the comparison seems to be a little bit inappropriate in a courtroom. Étant dit, à moins que la Chambre ait quelque chose à dire, unless the Chamber may have something to say about this, je voudrais I would reporter reporter la Chambre et les parties
as well as the parties, au procès-verbal d'audience to the WRI of Ong Tong-un before this chamber 2012, on 7 August 2012, document E1/103.1. Le RN en français French de 00833372 et c'est un petit peu and avant 15h36 et 23 secondes et Ong Tong-un explique que lui a priori il n'aurait pas vu ni Kyo Sampan ni Nyonchuan ni Yingsari. Il dit que en revanche, however, que je cite, says, quote, mais ma femme m'a dit qu'au moment de son arrivée, il y avait une session d'études dirigée par Kyo Sampan. Et ensuite, des questions lui sont posées sur cette session d'études. Et c'est dans ce sens-là qu'il a témoigné devant la Chambre. Donc, ma question est de savoir si ça vous rafraîchit la mémoire. Est-ce que ce n'était pas plutôt une session d'éducation à laquelle la femme de M. Ong Tong-un aurait assisté que lui-même évoque? Écoutez, moi je me réfère aux pages 661 page of the book, the French version of the book. Qu'il y ait d'édition en anglais. I don't believe there is an English version, but I hope that the chamber translated his book, which would allow us to have an English version, which is something that he would like to see. He says clearly that the first seminar chaired by Kyo Sampan de la lutte du peuple was focused du Kampuchea, on the struggle of the Kampuchean people, etc. And it was based qu'il fallait renoncer à tout, y compris la vie familiale, non seulement au bien, mais à la vie familiale, including family life, et finalement à sa propre personne, et faire don de sa personne à la révolution. To the revolution, ce qui résume mon dernier chapitre, summarizes slogans, collection de slogans, la fin de l'individu. My last chapter in the collection of slogans, which describes the end of individuality. Now I'd like to focus on another excerpt of your book, Why the Khmer Rouge, and this is something that you repeated often regarding the chaos and regarding the fact that the rules were not clearly defined. And you quote in your book E3/10640 à l'URN, en français uniquement, 0-1-3-0-3-5-8-7. Et vous citez Song Sikun, et vous dites ceci, and you say the following. Mais en réalité, il est très difficile de déterminer quelle fut sa place exacte au sein du comité central du parti, du fait que, selon Song Sikun, sous le Kampuchea démocratique, les attributions de chacun n'étaient pas fixées de manière claire et rigide, comme dans un régime d'état de droit. Les rôles étaient déterminés selon l'ordre du jour fixé par l'encart supérieur, et les aléas des purges incessantes, telle ou telle se voyait ainsi donner une responsabilité ou une autre selon les besoins de la conjoncture. Bref, tout était fluctuant et très mal défini. Fin de citation. Ma première question va être celle de savoir dans quel contexte Song Sikun vous a fait de telles déclarations sur le caractère fluctuant et mal défini des tâches. Of the fluctuating and ill-defined nature of the tasks. Alors, la Cour sait fort bien que j'ai côtoyé Song Sikun depuis 1999, sa femme qui m'a envoyé auprès de lui, Laurence Smith, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 15 ans. Nous avons eu de très longues conversations ensemble. Very long. Il m'a servi d'interprète auprès de Pipoun et Sauron. C'est grâce à lui que j'ai pu interviewer Kyo Sampan. Alors, quand il me
So, je pense que cette phrase est bien tournée et qu'elle résume très bien la situation et qu'elle, well, selon ce que j'ai compris du fonctionnement du Cambodia démocratique, je pense qu'elle Cambodia le définit exactement dans les mots qu'il faut. Defines, je pense que quant à l'expérience, elle est basée évidemment Now, of course, sur la longue expérience de Sun Tse-kun. Sun Tse-kun's lengthy experience. En ce qui concerne Sun Tse-kun, tout le monde sait qu'il ne faisait pas partie du bureau Je ne sais pas si tout le monde a eu ce problème, mais à un moment, je n'entendais plus, donc est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse au moment où vous évoquez les présences au niveau des réunions du Conseil du UK? From the moment when you witnessed the attendance at the committee meetings. Le président, monsieur le témoin, veuillez répéter la dernière réponse, s'il vous plaît. Oui, en effet, je m'aperçois que quelquefois je n'ai plus d'écho dans mes oreilles de ce que je dis et il y a des fluctuations dans le son. Je pense que la phrase que vous venez de citer, maître, correspond non seulement à ce que je pense, mais je crois, après avoir côtoyé longuement les leaders intellectuels on a lengthy basis, the Khmer Rouge intellectuals as well. Presque tout ce qui pouvait être écrit sur le régime, and ça correspond totalement à la réalité. En particulier, au niveau du bureau 170, in particular, comité permanent, Office 870, ou du Politburo, quel que soit le nom qu'on lui donne, les présences variaient selon les circonstances, sans cesse fluctuantes. Hein, on était dans un régime qui avançait à une vitesse foudroyante. En particulier, Deutsch a fait la très intéressante distinction entre ce qu'il appelle les intellectuels, c'est-à-dire les personnages que vous défendez, et les personnages permanents à Phnom Penh, et les chefs de région, les grands leaders, 6 ou 7 régions, qui de facto étaient membres du comité permanent. Et leur présence n'était pas du tout régulière. Their attendance, however, alors, was not at all regular. Cette déclaration basée sur le témoignage de Sun Tse-kun repose évidemment surtout sur son expérience au sein de B1, c'est-à-dire Bolotei Pimwei, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Là, effectivement, les responsabilités fluctuaient selon les besoins de l'actualité et on allait tout le temps au plus pressé. Donc, Sun Tse-kun, lorsqu'il vous fait cette déclaration, parle effectivement de son expérience au sein du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que, comme de très nombreux témoins devant cette chambre, il vous a fait part de la question du principe du secret qui faisait que les tâches des uns et des autres étaient cloisonnées? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez évoqué avec lui ou qu'il a évoqué avec vous? Were set aside without any communication. Is that something that he explained to you? Oui, bien évidemment. Yes, of course. Tout était cloisonné. Ce cloisonnement existe dès le cercle marxiste-léniniste à Paris. This partition started from the Marxist-Leninist circle in Paris. Des petits groupes qui ne se connaissaient pas nécessairement clairement. Very well, le principe so the principle il y a des slogans autour de soi. Il y a des slogans Le président, monsieur l'expert, veuillez vous rapprocher vous éloigner quelque peu du micro, sinon le son passe mal. Fine. Answer. Oui, ce cloisonnement existe dès l'informel cercle marxiste-léniniste à Paris. Il existait, c'était une règle générale.
Ça fait partie, je crois, as de mon slogan, c'est-à-dire chacun devait faire la tâche qui lui était assignée et surtout ne pas regarder autour de lui, ne pas around, se mêler de ce que les autres faisaient. Get involved in other people's business, basically. Et donc, ma question, parce que j'ai compris que vous avez tiré de cette déclaration de Sun Sikun sur les tâches qui pouvaient être fluctuantes au sein du ministère des Affaires étrangères dans lequel il travaillait. Mais comment est-ce que vous conciliez votre interprétation de façon plus large à des niveaux plus élevés que Sun Sikun ne maîtrisait pas avec justement ce principe secret? Comment est-ce que vous conciliez le fait que tout le monde aurait fait un petit peu tout tout en préservant le principe du secret while preserving this principle of secrecy at the same time? Oui, parce que effectivement, c'est de l'extrapolation. Mais le principe du secret est d'être polyvalent, à la fois être polyvalent et le secret, ça ne s'applique qu'à l'ANCA supérieur, c'est-à-dire les 2, 3, 4, 5 personnes qui sont au courant de tout et qui sont valables pour un peu tous les domaines aussi. C'est vous-même qui utilisez le terme extrapolation. Nous sommes d'accord que vous-même, à part une rencontre brève avec M. Kyo Sampan et M. Yang Sari, où vous avez essentiellement parlé de leur période de jeunesse, vous n'avez pas fait de travail particulier approfondi ni sur les documents d'époque sur les PV de réunion, ni sur les documents relatifs aux communications et aux éventuels codages de télégrammes pour préserver ce secret. Là, c'est une opinion que vous donnez par rapport à une impression que vous avez, mais ce n'est pas basé sur des recherches particulières, n'est-ce pas? So it's not based on any form of particular research, am I correct? Non, c'est appuyé sur les recherches des autres, et c'est appuyé essentiellement sur les déclarations de M. Kang-Kiew au mois de juin, ici, à cette table, à ce siège. C'est le type de choses qu'il expliquait, et lui, il connaît évidemment mieux l'ANCA supérieur que Sun Sikun ou que moi. D'accord, donc ce sont des choses que vous tirez de ce qu'il a dit à l'audience. Sauf que là, dans votre ouvrage, qui a été publié avant les déclarations de Duke en juin, vous faites cette même affirmation. Donc, sur quoi est-ce que vous basiez avant d'entendre ce que disait Duke à l'audience? Statement. So, on what did you base yourself before listening to what or before referring to what Duke said here before the courtroom? Maître, je m'excuse, mais je crois avoir déjà répondu à cette question. Donc, c'est une question It appears to me that this is a repetitive question. Bien, je n'insisterai pas. Counsel, well, I will not insist, therefore. Un document que je voudrais voir avec vous, qui est la réunion du comité permanent du 9 octobre 1975, document E3/182. J'ai un double de la première page, je sais qu'il était dans votre classeur, mais avec votre direction, Monsieur le Président, si on peut remettre le document à M. Locard, l'URN en français est 00292868 et la page suivante. L'URN en anglais est 00183393 et le document Khmer 00019108. Est-ce qu'on peut remettre? Can we provide this document to the witness, please? Montrer le badalaka. Huissier d'audience, veuillez aller chercher le document des mains de l'avocate et le remettre à l'expert. J'en conclus que vous l'avez, donc so il n'y a pas de souci. Ma première question est de savoir, est-ce que vous étiez familier de ce document avant de consulter dans ce classeur before reading it in your folder here? Je crois vous avoir dit plusieurs fois que je n'ai pas travaillé à partir des documents internes du parti, pour la raison bien simple
for the simple reason, d'une part, que je n'avais pas first accès of all, à ces documents, I did not have access to these documents, et l'autre raison, c'est que moi, j'ai travaillé à partir des voix des victimes, et non pas des voix des torsionnaires. Voice of victims, the voices of the dernier que j'ai consulté, c'est ouvrage, publié en 2015 en France, based myself on is this book published in 2015 in France, written by one of the victims of the DK regime. Donc, comme question, vous n'avez pas consulté ce document, après avoir consulté ce document, est-ce que vous avez pu voir que, à cette réunion du comité permanent 9 octobre 1975, il y a une répartition du travail et des personnes qui ont été désignées à des postes précis sans avoir consulté ce document, est-ce que ce sont des thèmes que vous avez pu aborder avec Fong Sikun sur qui était responsable de quel domaine en dehors du ministère des Affaires étrangères, aside from duties at the Ministry of Foreign Affairs? Alors, cela n'a été nullement l'objet de mes discussions, mes interrogations avec Sun Sikun. Je remarque à la deuxième page, note here on the second page qu'en numéro 8, on nous donne camarade Dun, chef du bureau politique des 170, the head of the political office on of 870. Camarade we see Yain, comrade Yang, chef du bureau 870, of 870, et camarade Pang, and we see Kermit bureau gouvernemental. The government office. Là, c'est so un bon exemple. This is a good example. Pour moi, on est dans in une my confusion eyes, totale. That we're facing total confusion c'est le chaos, here. C'est it was chaos, anarchy. On ne comprend absolument pas, même en lisant ce document, qui fait quoi. Even when we read this document, we do not understand who is doing what. C'est votre interprétation, il n'y a pas de souci. No un autre point sur lequel je voudrais revenir, dans votre ouvrage, j'en ai terminé avec ce document, dans votre ouvrage « Pourquoi les Khmers Why rouges ?» Khmer Rouge, cette fois-ci, je vais retrouver cette... Alors, avant peut-être d'arriver à ce point-là, une question que j'ai oublié de vous poser hier, vous avez évoqué le rôle de l'armée dans l'arrestation des personnes qui est amenées au centre de sécurité, en tout cas le rôle de militaires. Security center, in any case, vous avez également évoqué le fait que l'essentiel des centres de sécurité étaient en lien avec le district. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez fait des études particulières ou est-ce que vous avez interrogé d'anciens militaires sur les différences qu'il pouvait y avoir entre l'armée du district, l'armée de la commune et éventuellement les milices? And possibly the militia. Que vous avez is this something that you researched? Je n'ai pas fait un travail spécifique sur l'organisation de l'armée du Cambodge démocratique. Cependant, je pense que ça saute aux yeux de tout le monde qu'on distinguait en gros trois types de yotia. Il y avait les chop, qui étaient donc la milice, qu'on traduit en français par militia en anglais, the militia, qui étaient les mouchards, les contrôleurs, à la base, dans les communes populaires. Stationed generally, very often in the case in pagodas, caserne,
in barracks. Donc ça, c'était les Yautiens. Those were the Yautia. Qui, je crois, avaient la charge and des they prisons. Were in charge of the prisons, I believe, because there was no police. Donc les personnes qui so they were the people s'occupaient de la sécurité intérieure. In charge of internal security. And there was a third kind of soldier. C'est-à-dire des soldats d'élite. That is the elite soldiers. J'en avais trouvé l'exemple. I found an example of these at Kompongtom. La région est, qui était chargée de veiller spécialement aux frontières, et c'est eux qu'on avait entraînés à effectuer des opérations coup de poing pour envahir le Vietnam flash dans les années 1978 et massacrer Vietnam les villages entiers, donc des troupes spéciales, on pourrait dire. Au niveau du district, est-ce qu'il y avait une armée particulière? Est-ce que dans le cadre de vos entretiens, puisque j'ai compris que c'était l'essentiel des sources de votre travail, est-ce que dans ces entretiens-là, on a évoqué une armée de district? Vous avez parlé de l'armée normale. Je ne sais pas très bien ce que vous entendez par là. Est-ce que vous faites une distinction entre cette armée normale et une armée de district? Normal army and the district army. Oui, c'est ce que les Cambodgiens appellent Yautia. This is what the Cambodians call Yautia. Contrary to Kong Top, à la période contemporaine, which is Yautia, the qui army nowadays. Alors évidemment qu'ils étaient présents dans of course district. The Yautia were present in every district. Il y avait au moins une caserne. Alors, there was at least c'est une supposition. A garrison. Il y avait au moins une caserne par district. Each district. Forcément, puisqu'il y avait au moins une prison par district. Because there was at least one prison per district, intérieure. And they were in charge of internal security. En fait, il n'y a pas de souci. Parfois, je pose des questions, je ne sais pas forcément si vous avez étudié ou pas, si vous ne l'avez pas étudié spécifiquement. Il suffit de le dire, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas une question piège. J'essaie juste de savoir ce que vous avez obtenu dans le cadre de vos entretiens. Un autre point, voilà, j'ai retrouvé le passage que je voulais vous soumettre. Donc toujours, pourquoi les Khmer Rouges, document E3/10640, ERN 0130335 90. C'est un passage dans lequel vous évoquez Sun Sen et vous évoquez ensuite sa mort. Et il y a un passage sur lequel je vous pose des questions. Vous dites il fut sauvagement assassiné avec son épouse Yunyat et toute sa famille par Tamok sous les ordres du général Khmer Rouge Sarun, avec qui il avait eu une querelle sanglante par le passé. Fin de citation. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les conditions de la mort de Sun Sen, donc il me reste que quelques minutes, c'est killed. Pas là-dessus que, and I only have a few minutes left, and I'm not going to question you about vous this. Évoquez but une querelle here sanglante qu'aurait eu Sun Sen avec Sarun. Dispute that Sun Sen had with Sarun. De quelle querelle il s'agit? So speak to us about what kind of dispute this was, eu and when this quarrel took sources, place, and what are your sources to describe this quarrel? Alors, en ce qui concerne l'assassinat de Sun Sen et de son Sun épouse Yunyat, on le sait très bien, Yunyat, puisque c'est straight from the horse's mouth. Excusez-moi, le début de ma question, c'était de vous dire, je ne veux pas parler de cet assassinat. Ce qui m'intéresse, c'est la partie de la phrase sur laquelle vous dites qu'il y avait eu une querelle entre lui et Sarun. Quel était l'objet de cette querelle? Quand est-ce qu'elle a eu lieu et quelles sont vos sources? C'est ça ma question. Précisez. When did it take place? That was my question. Alors, c'est ce que j'allais vous expliquer. Je regarde la montre. Nous avons déjà passé notre temps. L'assassinat de Sun Sen et Yunyat, c'est le dernier crime. Alors, on sait qu'il est commandité par Pol Pot, puisqu'il l'a avoué à l'étrier. Mais, alors, je sais à mes sources, vous demandez mes sources, je sais à l'avoir par Siun Sikun, mais surtout par Saloban, par Sohong, que Pol Pot n'a jamais demandé d'exterminer toute la famille de Sun Sen, et seulement
Sun Sen et sa femme. Et c'est excusez-moi, ceux qui sont chargés de l'assassinat. Laissez-moi terminer. C'était non, ceux qui étaient chargés de l'assassinat. Qui ont répondu pas à ma question, monsieur Locard. Je suis désolée, comme vous l'avez vu, le temps est compté. Il me reste quelques minutes seulement. Ma question n'avait pas rapport avec l'assassinat de Sun Sen. Je l'ai lu parce que le passage qui m'intéresse, que je voudrais vous faire commenter, est le suivant. Vous dites qu'il y a eu une querelle entre Sun Sen et Sarun. Ma question très claire est de savoir de quelle querelle parlez-vous, quand a eu lieu cette querelle et quelles sont vos sources sur ces informations. C'est juste cette partie-là pour laquelle je voudrais une réponse. Only part on which I'd like you to respond. Alors, c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Exactly what ma I'm source, to c'est Sorun ou Salotban. My source is Sorun, très précisément, il était Salotban dans les environs à l'époque, donc c'est un at témoin the time, direct. He was in the vicinity at the time. Je crois me souvenir que Sun Sen avait été responsable de l'assassinat de personnes que Sarun connaissait, de membres de sa famille ou de gens proches de lui. Donc, à titre de vengeance, members of his family, toute la famille a été exterminée et assassinée dans des conditions atroces. The entire family voilà, was il faut poser exterminated la question, under atrocious conditions. Sorun, that question should be put to Sorun. Et est-ce que vous vous souvenez, puisque vous dites que question. C'est au cours d'entretien avec lui, est-ce que vous vous souvenez since à quelle date interviews il situait with him, cette querelle? On what date that dispute occurred? Nullement. Mais étant donné que Sun Sen était chargé de la sécurité intérieure, Sun Sen was in charge en of tous les cas depuis 1975, ces violences ont eu lieu, comme vous savez, tout au cours du régime. You know, this kind of violence continued throughout the regime. Un autre point que je voudrais évoquer avec vous, like ça cette fois-ci, c'est on. Sur votre ouvrage sur le petit livre de Pol Pot, le petit livre rouge pardon, de Pol Pot, E3/2812, l'ERN en anglais 00394-694-645 et en français 00394-991. Vous dites que dans le cadre des slogans que vous avez eu à récolter, vous n'avez trouvé aucun slogan qui classe spécifiquement les Cham dans les ennemis à éliminer. Ma question est de savoir est-ce que ça correspond à une affirmation que vous faites par rapport au slogan que vous avez entendu sur l'ensemble du territoire. Slogans you heard nationwide. Je vous remercie, Maître, pour cette intéressante thank question. You, Council, for this en effet, interesting question. In fact, nulle part dans le pays, je n'ai entendu nowhere, proclamer in the country, de slogan visant particulièrement les Cham. De même, je n'ai entendu aucun slogan visant particulièrement les Chinois. Any, les Chinois qui ont un petit peu oubliés par ce procès. Et aucun Chinese who have been forgotten in this trial slogan spécifique no contre les catholiques. Slogan catégorie qui a le plus souffert sous le régime, 48% exterminés. Donc ce qui était visé, c'était la religion, mais non pas l'origine ethnique. What was of interest to me was religion, but not the ethnic Monsieur le Président, origin. Je vois que malheureusement mon temps est écoulé, donc j'en ai terminé de mes questions. So I have no further questions. President, Antagise, do you have any requests to make? Antagise, avez-vous une requête à formuler? Non, je ne formule pas de requête. Je pardon. No, I do not have any particular motion to present. President, you may now proceed, Judge Lavagna. Oui, Maître Guisset, hier vous yes. aviez demandé à Monsieur Locard, Council s'il avait dit, des yesterday. Enregistrements de certains entretiens. Donc, je pense que les requêtes pour la Chambre, pour lesquelles la Chambre interviews. Pense, so sont des requêtes concernant éventuellement the chamber is thinking la demande de applications regarding en lien your request for admission Locard. Of documents relating si vous aviez des demandes to à faire, Mr. Locard's testimony. Tant que Monsieur Locard if you have est any présent.
applications to make, you should do so while Mr. Locard is present. J'aurai à ce moment-là quelques questions Council, complémentaires perhaps I'll have some sur la forme complementary questions des, regarding documents à la disposition de M. Locard, peut-être pour que ma requête soit plus, soit plus précise. Vous avez indiqué hier, que vous avez un certain nombre de notes et d'enregistrements audio. Donc ma première question, ça va concerner d'abord Pipoun. Est-ce que vous avez à votre disposition des enregistrements audio et sous quel format les avez-vous de vos entretiens avec Pipoun? What is the nature of those recordings of your interviews with people? J'ai l'enregistrement complet de toutes les audio recordings, mes interviews de people. Recordings of all my interviews with people. Moi, j'interviewais, je prenais des notes, j'ai pris beaucoup de notes écrites aussi. I took notes, et tout a été enregistré. Et c'est Sun Sikun qui est extrêmement méticuleux, qui a énormément travaillé pendant des années, comme vous savez, au ministère des Affaires étrangères, qui s'occupait de l'enregistrement des cassettes. Donc, ensuite, il m'a transcrit cette cassette en langue française. He transcribed those cassettes. C'est lui qui a été le traducteur aussi. He was also donc the person who translated the transcripts. J'ai des notes. Donc j'ai trois versions, notes, si vous voulez. I have my notes, version with me, my version of the notes. L'enregistrement lui-même. As for the recording, et les traductions itself, de Sun Sikun. Ah, translations. Vous, I also vous dites have que them. C'est des cassettes. Ce sont des cassettes comme dans un, les cassettes à l'ancienne, j'imagine cassettes magnétiques, pas en format électronique. Est-ce que vous pouvez nous indiquer combien d'heures d'enregistrement il y aurait dans la globalité sur l'ensemble des entretiens, même un nombre approximatif? In terms of the interviews you had in their entirety. Ça représente des heures et des heures et des heures. Je sais pas, il y a 30 ou 40 there are several bandes hours, qui sont, je crois, de 60 minutes, more than 40. Minutes chaque côté. Donc ça fait so there were 60 minutes 30, 40, 50 audio recordings or cassettes, 30 minutes per side. J'en ai beaucoup moins pour Salad Ban. That's one hour per cassette. I have a lot of cassettes for Salad Ban and for Saron. Est-ce qu'il y a eu un système d'index par thème? Did you have an index system sur ces enregistrements? Which you used for those recordings? Non, pas Answer. Vraiment. No, mais, not really. Il y a déjà un premier travail a été fait de mise en forme work, écrite, pour l'instant en langue française, puisque avec Sikun, j'ai travaillé en langue khmer et langue française. It was done in Khmer and in English. Ça constitue such that presque un manuscrit the manuscript publiable. Is publishable. Ces transcriptions, je vais parler en termes un peu techniques pour être sûr de comment on peut retrouver si on s'intéresse à une cassette en particulier. Est-ce que ces transcriptions faites par Sun Sikun ont été faites sur format informatique Word, par exemple, ou une recherche par thème pourrait être faite? On the computer, can we use? Can we find them? Oui, Sun Sikun, qui savait très bien taper la machine, s'est mis à l'ordinateur. Sikun, donc ces transcriptions ont été faites sur ordinateur, un ordinateur que je lui ai fourni d'ailleurs, à l'origine, des faites sur ordinateur, et donc elles sont, ces transcriptions sont possibles, consultables électroniquement. Can be, consulted electronically. Autre question, est-ce que ces transcriptions ont été faites cassette par cassette? Another question. Were those transcripts done one cassette after the other, and they, are they numbered? I'm talking of the transcripts and the cassettes. Les cassettes sont numérotées, mais Answer, pas les transcriptions. The cassettes are numbered, but not simplement l'ordre chronologique. The transcripts are de in chronological order. En fait, et là je l'indique à l'attention de la Chambre, compte tenu du nombre d'heures importantes des cassettes, j'essaie de savoir si on obtient les versions électroniques de ces transcriptions, if we look on arrive à savoir quels sont les thèmes qui nous intéressent, si après on peut sélectionner les audios qu'on pourrait éventuellement demander. Donc c'est le sens de mes questions, afin que la Chambre et les parties comprennent pourquoi je vais sur ce chemin-là.
sur maintenant Salotban, now, vous avez indiqué Salotban, qu'il y avait moins, de, moins de, d'enregistrements audio. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre d'heures d'enregistrement de ces audios? The approximate number of hours of audio recordings. C'est mais difficile, je n'ai pas fait le compte. Answer, je it's pas, difficult non, for me to do so. I didn't keep track of that. I do not think I have had the interviews with Sokun transcribed. C'est deux, trois fois moins que Bibun. It's two or three times less than Bibun's interviews. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de cassettes question, do you remember the number of cassettes we are talking of? Non, pas vraiment. Answer, no, not really. Donc là, si je comprends bien, il n'y a pas encore question, de travail de transcription. Donc, correctly, ce que vous avez à votre disposition pour le moment, what c'est you uniquement in your vos notes now has not yet been transcribed. Lors de ces all entretiens you have is the notes et you took during those interviews les cassettes audio, and the audio recordings. Tout cela étant audio précisé, là, c'est peut-être une question qui est valable pour les deux. Toutes ces cassettes audio et ces notes sont disponibles ici au Cambodge. Are these cassettes available here in Cambodia? Voilà. Oui, c'est au Cambodge. Non, il faut que je me corrige un petit peu si le travail a été commencé avec Sohong aussi. With Sohong il y a certaines transcriptions some qui ont déjà été faites pour Sohong aussi. Transcripts have already been typed for Sohong as well. Monsieur le Président, compte tenu des informations données par Monsieur Locard, ma première demande, en tout cas pour ce qui concerne Pipoun, serait d'avoir s'il accepte de les fournir à la Chambre à disposition les traductions écrites de ces entretiens audio de façon à ce que nous puissions identifier les cassettes audio dont nous voudrions avoir connaissance et que nous voudrions pouvoir écouter we like en intégralité. To donc ça, ce serait la première requête. That would be my en ce qui concerne Song, en ce qui concerne, oui, Salotban, Salotban, à défaut de transcription qui permette une recherche rapide, je ne sais pas s'il y a moyen d'identifier la partie qui évoque les années avant 75, mais c'est la partie qui nous intéressera. That would be the past, the part of donc voilà, je ne sais pas si peut-être au fur et à mesure, si M. Locard retourne à ses archives et à d'autres éléments à donner en mesure de archives, centraliser les recherches et d'affiner les recherches, mais a priori, c'est la demande que je formule aujourd'hui, qu'on puisse au moins avoir consultation avant même de faire une demande de 87. That is what I request now before even making a rule 87 for request. You heard the question of the last question of Council Gissé. So what's your answer to that? If he is able to clarify how it would be possible to fine-tune searches. Comment il est possible d'effectuer des recherches. Je voudrais quand même préciser, puisque let me make something clear. Let me point out here. I should speak English. I'm sorry. I'm going to speak English. Yes, I have to specify here, since I'm in front of the judicial profession, that we have copyright questions. I don't consider myself as the owner of what both Pipun and Sohong said to me. Now, as far as Pipun is concerned, everybody knows that he died just in the new year 2015, just a year ago. And therefore, the owner of the copyright must be his wife, who lives on the Thai border. As to Sohong, the fact that his cassette or
his recordings would be given to the chamber, I think we would need his approval. I cannot take upon myself to give somebody else's property to the international tribunal. So for the record, you are not prepared to provide these documents to the chamber at this point. I'm not going into the question whether this is legally valid or not. You're saying I'm not doing it at this point in time. Is that correct? Absolutely not. I'm not saying no. I'm saying that these cassettes, I don't think that legally they are not my property, therefore we must have the approval of Pipoun's family, eventually his wife, or perhaps the chamber thinks that it is not necessary, then in that case I should be very happy to give the copies, or perhaps not the original. I want to give the original to Bopana Center, but we could give copies. If the tribunal thinks that there's no legal obstacle, I shall be happy to give them. But as far as Sohong is concerned, I'm sure that he must be informed. Je suis certain qu'il faut l'informer. Yes. Maître Copin. Mr. President, we would have a similar request in relation to the notes or possibly recordings of Mr. Locard's interview with Pen Sovan. That's the only thing that the Nunchi defense team is interested in. Et c'est the same with applying qui nous intéresse. Je pense que les conditions qui viennent d'être évoquées s'appliquent également. Puis-je saisir cette occasion pour demander à l'avocat if this takes care of your Rule 93 request. You made si cela répond à votre requête sur le fondement du 87, vous l'avez formulé avant que... Where you are asked rather broadly at the time for supporting material for books. And can I take it that what you said in the end, now the only thing we are interested in is these tapes, takes then care of the rather broad scope of the 93 request? Indeed it does. Réponse, oui. Demande de formuler sur le fondement de l'article 93. Judge Laban, you have the floor. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. D'abord, une première observation pour Monsieur Locard. Je pense que la communication de transcription dans le cadre d'une procédure judiciaire as part of a judicial process n'engage évidemment pas les droits de copyright. La communication est faite strictement pour les besoins de la procédure. Cela ne n'autoriserait personne à publier ou à diffuser les documents en question. Donc cela peut être une réponse à des questions que vous vous posez. Perhaps also address the issues that you've raised. Ceci étant dit, combien de temps pensez-vous qu'il, pensez qu'il est nécessaire pour vous de consulter la famille de Pipoun ou la famille de Salopan to consult Pipoun's or Salopan's or Mr. Pensovan's family or Mr. Pensovan himself? In how much time do you think you can do all that? Pour la famille de Pipoun, as regards Pipoun's family, un coup de téléphone ce serait assez simple. A simple phone call would suffice. C'est peut-être pas nécessaire parce que je ne sais pas si sa femme cambodgienne serait très soucieuse de ce problème. Would be mais je pense a concern about this problem. As for Salopan, moi je peux lui téléphoner. I can call him. Bon, mon Khmer suffira. Mais my Khmer would suffice. Faire téléphoner avec un Khmer. I could call him with the assistance of a Khmer. Alors est-ce qu'il faut le faire par écrit ou par coup de téléphone? Oui, I don't know whether I could do so in writing or by phone. Yes.
I think copies of recordings can be provided. There shouldn't be any obstacle. I have the phone call, the phone numbers, and the addresses of those persons, and it should be easy for me to faire savoir question. À Wizou, le service des témoins experts du tribunal, d'ici la fin de la semaine, quelles seraient les possibilités de communication avec le tribunal? How possible it would be for you to disclose those documents? Oui, bien sûr, je peux. Answer. Je peux faire ça d'ici la fin de la semaine. Of course, voilà. I can do so dire, bon, je les ai by the end of the week. Aucun problème. Mais si vous me dites que Vesu, whether I can join them, reach them easily or not. Je pense que pour Pian Pipo, il n'y a aucun problème. As regards the procedural issues, for Pipun, there shouldn't be a problem since Pipun testified in open session before this court. There shouldn't be any problem with Pipun's family. As for Sohong's family, I think the problem is a lot more pour une dernière clarification avec question. Les parties, one last clarification. Les demandes qui sont faites aujourd'hui, c'est simplement des demandes de communication. The applications made today are only for disclosure, and subsequently, in light of the results we obtain as regards these documents, you'll have to make a rule 87-4 application. Si vous avez bien compris, Monsieur le juge Lavergne, et c'est d'autant plus que si j'ai bien compris le processus Judge Lavergne, tel que décrit par Monsieur Locard, the procedures, the process Mr. Locard has presented, he has transcripts or translations of Sikun's interview. If he has littéral audio du Khmer original pour avoir des traductions qui soient celles Khmer, de... Donc, là, pour le moment, je parle vraiment hypothétique. Il faut déjà avoir communication so in au moins de la transcription en français pour pouvoir identifier les cassettes correspondantes. Et, voilà, donc, là, je pense qu'il y a plusieurs étapes à faire avant qu'on puisse faire une demande. Et dernière question, M. Locard, est-ce qu'il y a des transcriptions également des entretiens que vous avez Mr. Locard, do you have transcripts of the interviews you had with Mr. Sovan? Là, je crois avoir répondu. Answer, donc, I believe. Déjà. I answered that question. Sovan, I answered that question before. I took notes. I didn't record the interview of Pen Sovan. In the case of Pen Sovan, it's not very difficult because in my article, Trump Cock, Khmer Rouge, I have already said essentially what Pen Sovan said during the interview. Je peux retourner là, j'ai des cahiers, j'ai I can look at my notebooks, I have them here in Cambodia. I can look at my notes again, the notes I took during those interviews, but I do not think there are any particularly fascinating things said in those in that interview that I didn't use in my article. Co-prosecutor, you have the floor. Bonjour, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges. Mr. President, bien entendu, honors, les notes manuscrites, of course, donc la transcription, the handwritten notes, des interviews de and the transcripts of Pipun's interview, as well as Sohon's interviews, have already been transcribed. Those interviews have already been transcribed. That it would be donc, of interest to Khieu Samphan and all the parties. So the proposal I would like to make is that avec when the transcripts done in French with the assistance of Son Sikun have already been provided, when they are provided to the chamber, they should be placed on the shared drive so that all of us can have access to those interviews and parties that are interested in those transcripts can consult them, and they will need to make a Rule 87-4 application. That would be the right approach for all of us. It would also be of interest to us. So, it is in the interest of the Office of Prosecutors to read all those transcripts. Thank you. It's my understanding that this is exactly the request that was made. Je comprends que c'est exactement la requête qui a été faite. Est-ce exact?
Oui, il va de soi que je n'entendais pas demander à ce que les communications soient faites uniquement à l'équipe de Kyosampan, maintenant, je répète que ce qui est important, c'est de pouvoir faire une première recherche pour pouvoir identifier les cassettes et avoir l'original de ce qui a été dit et traduit de façon audio, sans qu'il y ait de problème de traduction par une personne tierce du tribunal. Voilà. Orally, so that we should have all those disclosures at our disposal. President, thank you. Très bien. I'm grateful to you, Mr. Expert HENRI Locard. The hearing of your testimony as an expert has now come to an end. Your testimony will contribute to the ascertainment of the truth in this case. You may now be accused. You may return to your residence or to any place you wish to go. I wish you good health and good luck, and as well as prosperity. Court officers, you are instructed to assist, to work with the vessel unit to assist Mr. HENRI Locard and send him back to his residence or to any places he wishes to go. President, sir, please invite two TCW-976 to the witness stand before the chamber, and also invite the duty counsel Jan Sambo to accompany the witness while testifying.
Le président. President, Council Tian Sambo, Maître Chan be on your feet. Sambo, veuillez vous lever. This is your first time to be c'est present la première fois the trial chamber. Que vous could you please inform the chamber of your ID number, your pourriez-vous office communiquer of practice, votre as well as numéro of de carte office. D'identité, le cabinet où vous pratiquez et son adresse. President, Council, please move a bit Maître, away from veuillez the microphone. Vous éloigner quelque peu My du name micro. Is Chan Sambo. Je m'appelle Chan My Sambo. ID number is 624 at number 61. Et mon numéro de carte d'identité, l'adresse 61 rue 604 in Phnom Penh. 604 President, à Phnom Penh. Thank you. Le président, merci. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court now proceeds to hear testimony of La witness to TCW 976. Du témoin de TCW 976. The chamber noticed that Mais this avant cela, witness has been interviewed La chambre relève que ce témoin a été entendu stages pendant of other l'instruction cases. Dans le cadre d'autres and the dossiers. International Court Mexican Judge le co-juge d'instruction international l'a placé groups. Dans le groupe A, parmi les trois groupes. Please refer to two documents, E319/35 and E319/48.5. And the recommendation 19, from the International Court Investigating Judge is to use pseudonym only for this witness and not his full name. Il faudra utiliser uniquement the le pseudonyme du témoin with, et pas son nom due. Complet. C'est l'instruction donnée par le coach d'instruction et la chambre This is also to balance the publicity of the proceeding as Un well équilibre as the est ainsi trouvé entre la publicité des débats et l'impératif d'équité et de confidentialité de l'instruction en cours. Les parties sont donc priées de se conformer à ces instructions. Document E319/7 en particulier from other cases. Lorsque des éléments tirés d'autres Good dossiers morning, sont communiqués witness. Bonjour, monsieur In the le proceedings témoin. Before the chamber and pursuant to request by the international co-investigating judge, du coach d'instruction you shall be international, referred to by a pseudonym c'est only, un pseudonyme uniquement and qui sera pseudonym employé is pour vous désigner. TCW le pseudonyme, c'est 2W976. And parties shall refer you by the pseudonym or simply as a witness. Par ce pseudonyme ou bien simplement vous désigner and comme étant le témoin. Il est interdit aux parties de vous citer nommément. Cela vaut également pour les juges. Mr. Witness, the chamber Monsieur le témoin, would like you to confirm The identity in document E3/9474 at Khmer 0974 English et en anglais 00975005 and in French 00976333. Votre numéro de carte d'identité est indiqué. Pourriez-vous le confirmer?
Saïd. Le président. President, witness. Témoin. Can you read Khmer language? Lisez-vous le Khmer? Witness, no. Réponse. I cannot. Non. Đôi ni. Bắt cóp ai lục mi thúy. President. An ksap ksap. Le président. Duty counsel. Maître. Could you read it quietly, the personal information of the witness, that is his full name, his place of birth, date of birth, occupation, his parents' name, les his wife's name, coordonnées du témoin, as well as nom, the date de naissance, adresse, nom de l'épouse, nombre d'enfants, entre autres. Mr. Witness, is the information indiqué, correct? Monsieur le témoin, si ces informations sont exactes. Witness, yes, it is. Le témoin. Elles sont exactes. President, le président. The greffier made an oral report that, le to your best knowledge, a indiqué you are not related by blood or by law to any of the two accused. There is no parenté, and here some que ce form, soit par alliance ou par le sang, or to any ni of avec the civil parties admitted in this case, ni avec l'une quelconque des parties civiles constituées dans ce dossier. Is that correct? Est-ce exact? Answer, yes, réponse, it is. Oui. Question. Question. Do you have taken an oath before the iron vous avez statue? Prêté serment devant true? La statue à la barre de fer, n'est-ce pas? Answer, yes, réponse, oui. It is. President. Question. Alina, to inform you of présent, your right je vais vous informer as de a witness before the chamber. En tant que témoin comparaissant devant la chambre. Your right as a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse vous pouvez to respond to any question à or to make any comment which may incriminate you. Et de faire toute that déclaration right lorsque cela vous exposerait à des poursuites. C'est votre droit à ne pas témoigner contre as vous-même. Obligations, à présent, as vos obligations, in the proceedings en tant que témoin, the chamber, you must vous devrez répondre to à toutes les questions posées par les juges ou par les parties, à moins que la réponse à ces questions to those ne soit de nature may incriminate you as the chamber has just informed you of your right as a witness. Lorsque la chambre vous a énoncé vos droits. You must tell the truth. Vous devrez dire la vérité. That you have known, en fonction de ce que heard, vous savez, seen, avez vu, entendu, remember, vécu, experience, or observed, ou observé directement. In relation to an event or occurrence. Compte tenu de tout événement. In the questions dont vous that avez the bench souvenir parties en rapport avec la question posée par le juge ou la partie concernée. And Mr. Witness, have you been interviewed by monsieur le témoin, avez-vous the of the été interrogé judges? Par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? So, how many times, et si oui, à combien de reprises, where? À quel endroit et quand? Witness, yes, réponse, I remember that. Oui. Je m'en souviens. Question. How many question. Times have you been interviewed? Combien de fois and where? Avez-vous été interrogé et à quel endroit? Answer. Réponse. I was interviewed once j'ai été interrogé downstairs une and fois I was also interviewed au rez-de-chaussée at my home. Et ensuite une autre fois chez moi. Question. Before you appear before the chamber, question. Have you read or reviewed your previous avant statements d'entrer dans with le prétoire, the investigators relu in order to refresh your vos memory? Procès-verbaux d'audition établis par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction et ce pour and vous rafraîchir la mémoire.
réponse. Je ne me souviens pas de tout. Question. À votre connaissance et d'après vos souvenirs, les réponses figurant dans ces PV d'audition sont-elles fidèles à ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau d'éco-juge d'instruction? Answer, yes, they are. Réponse, oui. President, during your le président, testimony, the chamber took a request from Visu, so per your request that you are provided with à votre demande, duty counsel, l'unité d'appui aux témoins his expert assistant limits to the point that you may rest in terms of self-incrimination if you provide a response. En cas de risque d'auto-incrimination, vous pourrez le consulter le cas échéant. Do you understand that? Avez-vous compris? Answer. Yes, réponse. I understand that, and oui. I will answer questions based on my recollection. Je répondrai aux questions en fonction de ce dont je me souviens. President, thank you. Le président, it is now convenient merci. For a short le break. Moment est venu d'observer une courte pause. And we take a break now. And resumed at 20 to 11. L'audience reprendra à 10h40. Court officer, please assist l'audience. The witness and veuillez the vous waiting occuper room to du reserve témoin for witnesses and pendant experts la pause. During the break time. Veuillez le conduire dans la salle d'attente and invite him back et le ramener the court room dans le prétoire pour la reprise des débats. At 20 à 10h40. To 11, the court suspension is now in recess. Somjian Grouchot.